Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Minecraft, donc c'est une petite vidéo info, on va appeler ça comme ça, où je vais vous donner bah, justement trois utilisations du sable des âmes que vous ne connaissez probablement pas. Alors le sable des âmes déjà vous permet, donc en premier lieu je vais vous montrer comme ceci, donc je vais en placer ici tout le long, je vais faire donc j'ai fait un petit trou hein, de 1 de 2 de profondeur où je remplis de sable des âmes en dessous. Donc je tiens à préciser que je suis sur PS4, donc je suis sans mode, sans rien. Donc tout ce que je fais là est reproduisable, pardon, sur toutes les versions. Alors ici, voilà, vous mettez d'abord votre sable des âmes, donc une couche de sable des âmes, et vous mettez de l'eau au-dessus. Voilà, vous remplissez entièrement. Tac, 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 tac. Et maintenant, la première utilisation du sable des âmes, c'est que si par exemple vous avez envie de vous amuser un peu et faire un petit truc assez stylé, ça peut faire office d'un petit pont invisible. Donc par exemple ici, bah... Je suis, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais changer de vision. Voilà, je vais monter dessus et vous allez voir, je ne coulerai pas, je ne fais exactement rien du tout, il n'y a rien d'autre et je marche complètement sur l'eau, on peut dire. Donc c'est pareil, vous pouvez le faire de plus profond. Donc ici, j'ai fait, attendez, hop, je rechange de vision. J'ai fait beaucoup plus profond aussi et vous allez voir, je me mets dessus et je saute aussi automatiquement. Donc je ne peux pas couler, donc vous ne pouvez pas aller plus bas. Vous pouvez même sprinter et, attendez, je vais rechanger de vision. Voilà, sprinter et vous allez faire une petite nage chelou. Vous voyez, vous marchez mais vous sautez en même temps, mais vous inventez voilà la danse papillon, la nage papillon pardon, si c'est bien ça, je ne sais pas si je me trompe. Donc voilà, en bref, ça fait bah comme un trampoline aussi. Vous pouvez utiliser ça comme trampoline si vous sautez comme il faut. Bah, vous pouvez faire des assez bons sauts. Donc voilà pour l'utilisation numéro 1 du trampoline et l'utilisation du sable des âmes pardon et l'utilisation 2, bah, ce sera du trampoline aussi donc. Voilà que je vous ai montré. Et pour l'utilisation 3, c'est par exemple ici, vous pouvez faire, ça peut donner une idée de déco, par exemple pour une boîte de nuit, des lumières ou autre. Mais par exemple, vous prenez de la poudre de béton ou du sable, hein, ça marche aussi avec du sable, c'est vraiment avec tous les blocs qui tomberont. Donc si vous mettez par exemple un bloc comme ceci et comme ça va être obligé, le bloc doit tomber comme ceci, vous voyez. Donc ce sera tout ce qui sera sableux et tout ça. Donc vous allez faire déjà ceci. Et vous allez voir, voilà, votre bloc ne coulera pas. Donc après, si vous fermez ça comme il faut, ça peut donner des idées de lampe. Par exemple, ici, moi, j'ai fait un décor comme ceci. Bon, j'avais fait avec un autre pack de texture qui donnait légèrement mieux, mais pour que vous voyez un peu mieux le truc, je me suis mis en pack de texture normale. Donc voilà pour l'utilisation numéro 3 que vous ne connaissez probablement pas. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.